joue plus au poker, c'est dangereux. Ça finit toujours en bagarre. Il y a toujours quelqu'un qui n'accepte pas d'avoir perdu et qui accuse celui d'en face d'avoir faussé le jeu. Soudain ça sort des couteaux, ça sort des bouteilles, ça va chercher les grands frères, ça va chercher les cousins. À 22h, les gens essaient de dormir, mais ils entendent dehors des hurlements. Ils savent qu'il y a une bagarre. Voilà pourquoi les gens disent qu'on est des délinquants. On est maintenant mal vu dans le quartier parce qu'il y a trop de désordre. Il y a ceux qui écrivent leur nom sur les voitures des gens, ceux qui donnent des paquets de cigarettes aux enfants, les gens qui lancent des pétards et des feux d'artifice, ceux qui font du roller en s'accrochant au taxi. Et c'est à cause de ça que la police vient en patrouille. On vient me contrôler ma carte d'identité au quartier. La discipline m'a rendu fréquentable. J'aurais pu être un délinquant, j'ai choisi la musique. Je me suis toujours tenu en dehors des problèmes, des provocations inutiles et des complications. La discipline a fait de moi quelqu'un de fréquentable. J'aurais pu être un délinquant, j'ai choisi la musique. Je me suis toujours tenu en dehors des problèmes, des provocations inutiles et des complications. Les petites filles de mon quartier me font peur. Elles ont des téléphones qui coûtent plusieurs centaines de milliers de francs. Mais quel parent peut offrir ça à son enfant alors que lui-même est obligé de voir le boutiquier pour lui accorder des bons marqués dans un cahier, tout ce qu'il prend dans la boutique jusqu'à la fin du mois. Et quand le père de famille se trouve être policier, le boutiquier n'a pas le choix, il doit coopérer. On a toujours besoin d'avoir des relations, de connaître des policiers dans un pays étranger. Donc je disais que toutes ces filles de mon quartier possèdent des téléphones qui coûtent cher et des ordinateurs. Elles sont toujours dans le noir, dans de grosses voitures, et on ne voit jamais le type qui vient les déposer. On ne voit ces filles un jour qu'avec une grossesse. Quelques mois plus tard, le bébé finit dans une poubelle. La discipline a fait de moi quelqu'un de fréquentable. J'aurais pu être un délinquant, j'ai choisi la musique. Je me suis toujours tenu en dehors des problèmes, des provocations inutiles et des complications. La discipline a fait de moi quelqu'un de fréquentable. J'aurais pu être un délinquant, j'ai choisi la musique. Je me suis toujours tenu en dehors des problèmes, des provocations inutiles et des complications. Il y avait un gars dans mon quartier qu'on appelait Brown. Pour nous c'était un fonctionnaire. Il avait toujours de l'argent. Les filles se battaient pour lui. Il avait une voiture, des montres en or. Il assurait le bar à tout le monde. Mais un soir, la police est venue le chercher. Ils l'ont conduit au commissariat, les menottes au poignet. C'est là qu'on a compris qu'il faisait de la fausse monnaie. Aujourd'hui, il est en prison pour 7 ans. J'ai aussi connu un gars qu'on appelait Franck, plutôt doué pour le basket, un excellent joueur. Mais le problème avec lui, c'est qu'il s'énervait vite. Quand on le provoquait, il démarrait au quart de tour. Un jour, on a trouvé son corps devant une boîte de nuit, baignant dans une mare de sang, on l'avait poignardé. À son enterrement, l'émotion était vive. Tout le monde était touché, moi en premier, tant de stupidité. La discipline a fait de moi quelqu'un de fréquentable. J'aurais pu être un délinquant, j'ai choisi la musique. Je me suis toujours tenu en dehors des problèmes, des provocations inutiles et des complications. La discipline a fait de moi quelqu'un de fréquentable. J'aurais pu être un délinquant, j'ai choisi la musique. Je me suis toujours tenu en dehors des problèmes, des provocations inutiles et des complications.